Salut! Aujourd'hui, on déballe le monstre. On va voir ce que ça donne. Aïe! Sur les poils, ça fait une petite épilation. Il va y avoir du nettoyage par où ça fait. Abîmer la peinture. J'essaie de reprendre un peu les marques sur le capot, enfin, les marques sur les pattes de fixation. Ça devrait tomber bien. C'est pas mal, on va faire l'autre. Mettre le câble du capot. On va mettre les petits enjolivants des rétroviseurs. Là j'ai plein de poussière blanche. Je t'expliquerai pourquoi. C'est qu'en fait j'ai fait un poli lustré partout. Je te ferai voir tout à l'heure, on le fera sur le capot, puis on le fera aussi au-dessus. Parce que l'aspect voilà, au toucher est pas super lisse. En ce que je fais, je reponce tout à l'eau. Et un bon coup de policheuse dessus. Et ça te fait une carrosserie qui est vraiment toute clean. Et ça, je te fais voir ça tout à l'heure. Le contre-jour, tu vois que c'est pas... Après, c'est une peinture satinée. Hein. Mais avec un poli lustré, ça redonne un bel aspect. Et puis ben, surtout, une surface très très lisse. Comme ici. Voilà. Là, on voit ici. C'est toujours pas évident de filmer. Là, comme je t'ai dit tout à l'heure, on va faire un poli lustré sur le capot. Alors, ce que j'utilise, c'est des petites éponges en mousse pour le ponçage à l'eau. Ça, c'est du super fin, équivaut à 1000, du papier 1000. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je viens passer partout sur le capot. Alors là, ce que j'utilise, c'est une polisseuse orbitale. C'est un pad de... Ouais, c'est un pad en mousse. Un pad de médium. Après, en produit, j'utilise Menzerna. Ça, c'est le numéro 1. Il y a toujours autant de vent. Up, down, left, right, inside this ball in silence. We made our rounds while listening to the passing time, but listen for a long time, a long. Streaming down the tracks, yeah, it's coming for me. Et t'en as plein de shorts. Mets un peu de travail pour faire ça. Waiting for my train to come. I strain old stars down the tracks, it's too dark out.
peinture satinée, c'est vraiment pas mal. Après, pour finir, j'utilise celui-là, le numéro 3, toujours la même marque. Final Finish. J'ai changé de pad. J'ai mis un pad soft. Le haut maintenant. Quand même plus propre comme ça. Que je vais faire, je vais peindre les têtes de vis en noir, comme ils sont un peu passés, en profiter donc c'est démonté. Il y a les deux d'ici et les deux d'en dessous. We'll be right back.
Bon, petite touche finale en attendant les autres autocollants. Là, je vais remettre l'autocollant Heimer. Là-haut, ça sera trois petites barres comme sur les côtés. Mais comme je les ai pas encore, au moins on va mettre celui-là devant, plus celui-là derrière, c'est le même. Tout ça, j'ai commandé ça sur internet, sur un site de 6 et de stickers. Bon, on va installer ça. On va dégraisser déjà avant de mettre ça.